Des arbres habillés pour l'hiver, du mobilier urbain recouvert de laine de toutes les couleurs, les riverains de la rue Constantine à Tours s'en sont vraiment donnés à cœur joie pour investir leur espace. Une rue reléguée en lieu de passage et en parking qui, pendant 2 mois, a surpris les passants avec cet art urbain spontané et populaire. Une trentaine de personnes ont travaillé des aiguilles et du crochet pour s'approprier à leur manière leur décor quotidien, leur but, sublimer la rue. Si on part de l'idée de mettre de la couleur, il faut qu'on la pose cette couleur. Donc forcément, on va chercher les supports. Et donc le support, c'est l'arbre ici, puisqu'on a la chance d'avoir 13 arbres quand même sur un alignement. Et puis c'est le mobilier urbain. Donc voilà, après on cherche tout ce qui peut nous permettre de poser. Voilà, c'est un peu, on a l'affût un peu comme ça. Et voilà, donc c'est cette idée-là. La mairie a autorisé ce tricot urbain éphémère et leur initiative a rencontré un vif succès, une poésie de matière et de couleurs qui joue sur l'effet de surprise et le détournement. Je crois que les gens ont besoin de ça, en fait, ont besoin d'être surpris de façon... ils ont besoin d'être émerveillés, quoi. On est dans un monde de consommation, c'est très... c'est assez triste, finalement, tout ça, quoi. On achète, mais bon, on n'est jamais satisfait. Alors que là, c'est quelque chose qu'on leur offre comme ça, c'est gratuit, hein, complètement, dans tous les sens, d'ailleurs. Et je crois que c'est ça qui leur plaît, c'est comme un cadeau, quoi. C'est un cadeau merveilleux, un peu, quoi. Cet art urbain a déjà été expérimenté à travers le monde depuis les années 2000. On appelle ça du yam bombing ou du knick tag en anglais. En France, on parlera plutôt de graphe de tricot, une façon accessible à tous pour investir la ville et qui n'a pas vocation à durer. Alors, on déshabille les arbres malgré les rigueurs de l'hiver.